Bon Charles, dites-nous déjà comment ça va, on arrive à la fin de l'année un peu, fin de la saison, une saison très compacte, quel est l'état de forme? Ouais, bah, l'état de forme était très bon, j'étais à la Flèche Wavanson, les gens répondaient bien, malheureusement j'ai eu une grosse chute qui m'a empêché de faire le final. Donc voilà, c'est très frustrant, c'est déjà la fin de saison, j'en ai encore bien dans la tête et dans les jambes et on va tout donner aujourd'hui sur la dernière. J'espère que tu vas finir sur une bonne note. Justement, il y a quelque chose à tenter aujourd'hui sur une course comme ça? Ouais, bah après ça va être une course difficile, surtout sur le final. Déjà on va voir le vent, aujourd'hui on démarre assez tôt la course, donc je pense que le vent, il n'y aura pas trop de vent au début et on verra dans le final. Le plus important sera d'être placé dès qu'on attaquera les premiers chemins, quoi. Être placé, ça veut dire qu'on tente pas d'échapper, on tente pas d'anticiper aujourd'hui pour vous? Ouais, bah après, en fait, tout, on verra bien au début de course. C'est sûr que s'il y a une grosse échappée, j'essaierai d'être à l'avant, avoir un petit coup d'avant, c'est toujours bien sur ce genre de course. Et après, voilà, j'ai envie d'accrocher un beau résultat aujourd'hui. Si c'est que quelques coureurs devant, je resterai dans le peloton, mais si ça fait la bagarre dès le début, j'essaierai d'en faire partie. Alors on sait que ce qui fait mal ici, ce qui est sélectif, c'est l'enchaînement des côtes et des secteurs empirés. Quel est, selon vous, celui qui est le plus sélectif, celui où on peut faire quelque chose ici? Bah après, je pense que ça va être à l'usure. Je pense que, comme on disait hier, pendant 40 bornes, c'est un moment où on ne peut plus respirer. Ça va être un enchaînement et je pense que ça va être les kilomètres dans les jambes. Après la météo, tout ça, il y en a déjà qui sont un petit peu fatigués psychologiquement, donc je pense que c'est un tout et après ça va être à l'usure, hein, tout simplement. Dans le final, ça va sûrement pas se faire dans le premier secteur, mais sur le final ça va être des petits groupes séparés et il faudra avoir la patte pour être devant, quoi. Merci beaucoup Charles, bonne course. Merci.